Je sais pas, moi. Ce soir, j'ai décidé en fait de vous faire voyager dans le temps, tout simplement. Et je vais vous ramener à une époque où les shmups tournaient sur des bornes avec des ROM spécialisées 8 bits particulièrement dédiées à des tâches spécifiques. Bref, une époque où on n'aurait pas imaginé qu'on aurait inventé l'ordinateur quantique dans les années 2010. Et du coup, c'est super rigolo. Et je vais vous le partager. Je vais juste vérifier que mon son marche parce que j'ai toujours cette appréhension de la voix de Chipmunk. Que me fait mon encodeur ou je ne sais pas. Oh, c'est bon. Non, c'est pas bon. Mais non, c'est un vieil enregistrement, ça, monsieur. Le retour, s'il vous plaît. Ah, oh, sa merde à la régie, c'est pas possible. Mais c'est quoi le problème? Vous êtes pas assez payés, les gens? C'est pas vous, les stars. En fait, je crois que j'ai pas démarré le stream. Si, mais y a pas. C'est incroyable, ça. C'est un nouveau bug, un nouveau fail. Ça y est, je mets. Oh putain, ce qu'il faut pas faire. Alors, je vais faire comme Banzai, à part que je vais faire. Bienvenue dans le vrai démarrage en fin du stream. Oui, j'ai merdé. Et en punition, j'ai le droit de tousser. Je vais juste déclencher l'enregistrement et je suis à vous tout entier. Promis, juré, craché, racte, descend le chat. Alors, ce soir, je vous fais donc un voyage dans le temps avec Giraudine. Giraudine. Voilà, c'est parti. Ah, un plantage, chouette. Giraudine est capricieux chez moi. Mais en assistant, j'ai remarqué que je pouvais le lancer. Et vu que j'ai une très bonne assistance, voilà. Ça y est, on l'a. On est là, les kikis. Ce fut chaud. Alors voilà ce que c'était un shmup en 1984. Et quand on avait ça, franchement, c'était la grosse classe avec un C majuscule et les couilles qui débordent un peu de chaque côté de l'élastique du slip. Giraudine, c'est. Personnellement, moi, j'ai jamais joué à ce jeu en arcade. J'ai pas eu le bonheur de croiser. Et si je l'avais croisé, ma mère m'aurait détesté à lui tanner le bas de la jupe en lui disant t'as pas encore des pièces de monnaie que je continue mon aventure extraordinaire dans des cieux infinis. Bref, stop au suspense, stop au teasing, qui est ma spécialité, je dois l'avouer. Oh, ces effets normaux. Je vais juste baisser les enceintes parce que vous allez les manger dans votre gueule et vous avez déjà le retour du jeu normalement. Moi, je m'en passe, je peux jouer sans le son, je suis un pro, quoi. Putain, je peux aller jusqu'à combien? 99 crédits, on va mettre. On va peut-être y en avoir besoin pour voir le bout. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un hélico, mais sa particularité, articule, monsieur, c'est de tirer sur les côtés aussi. Quand je me penche, et on voit qu'avec succès, je n'ai flingué quasiment personne du ciel maintenant, je suis trop impressionnant. Impressionnant avec un Z majuscule. Alors normalement j'ai un autre truc. Ah voilà. C'est con, je me suis mangé un pruneau avant de comprendre. Normalement j'ai un lance-missile. C'est moi. Mais oui, ta gueule le téléphone. Alors, le lance-missile, oui, non, pas très efficace. Alors, l'avantage, c'est qu'il est autoguidé. Le défaut, c'est qu'il y en a un tous les 3 mois, quoi. Salut, missile. Attention, tu vas prendre un missile, toi. Eh! Dis donc. Mais. Donc, on voit bien que la partie tuto est respectée, mais. Pas très variée, quoi. Ce qui est bien quand même, c'est que vous tombez de votre gyrocoptère
avec une classe quand même, avec un tout voile sur la gueule. Et qui vous met pas trop en arrière du coup. Il vous met même pas du tout en arrière. Putain, ce qu'il est long ce machin. Pour donner un équivalent moderne, j'ai l'impression de diriger un P sur un drap en satin, quoi. Non, mais sérieux. On sent que ça glisse, mais. Ah là, faut deviner qui sont dans les arbres. Ok. Et là, je devine qui sont dans la flotte. Parce qu'il y a des petits shiny. Ok. Mais tu te moquerais pas un peu de ma gueule, toi? Non, mais vraiment. J'ai mal au pouce. Alors, on voit tout de suite que c'était vraiment un jeu arcade, puisqu'il fallait appuyer avec le plat des doigts, quoi. Et pas comme sur un pad. Oh, c'est dramatique. Je veux sortir. Je me rappelle, j'ai un autre truc à faire. Sérieux, les gars. Mais bon, remettons les choses dans l'ordre. 1984, ça, c'était The State of the Art, les gars. Genre, les pouilleux comme moi, nous, on avait des jeux où il n'y avait même pas autant de couleurs, quoi. Faut arrêter de déconner. Et oui. Et le scrolling, là, je sais pas s'il était propre comme ça sur la ROM. Là, sur l'émulation, il est pas mal, quoi. J'ai pas une méga bombe. Note pour les concepteurs, quand vous serez dans le futur, mettez des méga bombes. Ça peut servir, on sait jamais. On va arrêter ce stream-là parce que ça risque d'être long et pénible et pas très très intéressant. Mais, n'en déplaise aux mauvaises langues habituelles dont je fais partie normalement, ce jeu-là est tout à fait recommandable pour son époque. Oh putain, un plantage encore. Donc, Giro machin. Non mais je rigole parce que c'est quand même la fin de soirée, je fais des streams très travaillés. Giraudine, c'est validé. Maintenant, faut voilà, c'est validé dans le contexte. 1984, c'était The State of the Art. Mais The State of the Art, genre pour voir le dernier boss, je vous garantis que vous foutiez l'équivalent de... Bon, à l'époque, ça devait être, je sais pas, 30 francs facile. Voilà. Donc, balancer 20 euros pour finir un jeu, ça fait un peu cher quand même. Dans une borne d'arcade. Enfin, aujourd'hui, les bornes d'arcade n'existent plus. Donc, c'est un rapport que les gens vont avoir des problèmes à dimensionner d'ici pas très longtemps. Faut savoir qu'à l'origine, quand même, la borne d'arcade, son but, c'est de distraire les mômes pendant que les parents boivent des canons au bistrot. Mais je vais rentrer dans une théorie qui va devenir vacharde. Donc, on va en rester là, les amis, et je vous ferai un dossier promis sur pourquoi on a inventé les bornes d'arcade, la vraie vérité. Et je mettrai tout le monde d'accord sans le moindre problème. Je vous fais des énormes bisous. On se retrouve pour un stream super sérieux. Je vais essayer de trouver un jeu, genre, ouais, il fait pas rire, quoi. On va essayer de faire un jeu où on rigolera pas pendant le stream. Je vous le promets. Je vous fais des bisous. À tout bientôt. Et n'oubliez pas de ne pas mettre les pouces sur la chaîne et de ne pas la suivre. C'est super pas important. Ciao.